Si je ne m'abuse, c'est le premier TF d'Adam. Je crois que alors, oui. Bien sûr, hein. Le pic est très efficace contre Cassanté, mais on n'a pas vraiment l'habitude de voir Adam sur des ranges. Ah, c'était pas trop mal joué côté Heretics parce que ce timing, on l'a saisi. Ça a l'air, d'être un bon call. Attention tout de même à la défense, peut-être. Oh, il l'a volé! Il l'a volé, Chio! Il est allé se projeter vers l'avant. Il a réussi à poser son smite. Les Heretics se font kidnapper. Ce dragon et le flash du côté de Nuke. Adam qui fait la différence également sur Adam. Il a ghost flash, Adam. Oh! C'est ambitieux. Et du coup, là, bon, poste ah ouais. Destiné raté. C'est un kill récupéré du côté de Wunder. Non, j'allais dire un dive, mais pas du tout. On a juste. Oh, Adam, le ghost, il veut aller au solo kill, Adam. Il veut aller au solo kill, il sort la gold card, il est en train d'allumer Wunder, il va réclamer ce solo kill. Tandis que vous l'avez vu au niveau de la top lane, on a récupéré deux plaques supplémentaires pour Adam, qui passe cette fois-ci très largement devant au gold. Il va pouvoir compléter son premier item, Adam. Pareil, Wunder qui a pu terminer son cœur gelé. Parce que c'est toujours un petit peu plus particulier, tu peux te faire surprendre. Un peu à l'image de ce move justement, avec un Yonkos qui est là, le flash qui est consommé. Ah, la bonne embuscade, très très bonne embuscade des Heretics. Et pour l'instant, on ne va pas contester côté BDS, on laisse passer cette séquence. Peut-être justement pour... Peut-être qu'on vise plus d'items du côté de la Zeri notamment. Ah, par contre, ça va peut-être être le moment de reset pour eux après avoir récupéré cette T1 bot. Peut-être après cette wave mid, la Brof qui se fait surprendre ici et qui offre un kill, c'est dommage tout de même. Il offre un peu un kill à Flakhead. Alistar Voli pour tenir la frontline. Wunder qui cherche tout de même l'angle de flanc. Allez, il faut s'avancer ici, c'est récupéré par Shio finalement. Shio qui tient le choc, qui est kidnappé par Wunder qui va finir par tomber. Il faut reculer du côté des BDS. La machine hérétique se met en place, ils avancent encore une fois. Ils ont une très grosse frontline. Et du coup, et ben on a quand même deux ultimates en moins extrêmement importants côté Heretics. Et on va même décider pour les BDS, regarde, d'abandonner le dragon. Ça court loin vers le top side, vers ce baron d'Achor. Est-ce qu'on a les dégâts? 3 items Zeri, 3 items TF. Font mal quand même. Ça descend. Font mal. Nuke va tenter de les retarder. Je pense que ça passe pour les BDS. On va peut-être perdre la Brof. Attention, pas de smite. Mais pas plus. La Brof qui a encore un flash. Je pense pas plus que la Brof. Oh, mais si même lui s'en tire, c'est beau. Ah, est-ce qu'il se repositionne? Oh, le flash est de Trimbi. Attention, l'accélération, les BDS. Mais Trimbi est désormais isolé. Ils ne parviennent pas à passer ce choke point. Les Team Heretics, voire même, ils sont repoussés. Ah, est-ce qu'il prend les devants et l'initiative? Shio qui élimine Wunder. Et le chase est lancé côté BDS. Qui vont se faire surprendre. Il n'y a pas de flash, on rappelle. Il n'y a pas de flash, mais Yonkos qui joue bien avec les lignes de vue. Mais Heretics, ils n'ont pas envie de se faire enfermer en même temps. Mm-hmm. Donc c'est un peu un dilemme permanent pour eux. Ça y est, ils ont réussi à sécuriser la vision derrière eux et sur un côté. Mais Shio se glisse dans le pit du dragon. Prêt à smiter. Trimby va sans doute être butt. Trimby qui contrôle le jungler des BDS. Le smite est validé pour Yonkos. Heretics qui joue bien le coup honnêtement, qui sécurise la vision sur les côtés avec des pink wards et qui sont patients. Et Adam et Shio, ils le tabassent honnêtement. À deux. Et la position de Ice au niveau de la mid lane a peut-être bluffé les Heretics. Heretics qui réalise ce qui est en train de se passer, mais le Baron Nashor va être validé par les BDS ici qui ne vont perdre personne, qui vont même essayer de re-engager directement en front to back. Attention à la shockwave de la Orianna tout de même. Zuru, elle est passée, mais Ice. Je n'ai pas vraiment vu son éclat ici, et BDS qui wipe complètement les Heretics. Lâchez de Shio. Le kill est récupéré. C'est 1-0 pour les BDS. Et j'ai pas vu la shockwave. Le flop de la shockwave, elle a pas fait de dégâts. Il y a eu un mantra E de Nuke, je crois, qui a fait la différence. Il y a vraiment eu 0 dégâts sur cette shockwave. Ok. Et du coup, bah, on a parfaitement réussi. Le flash in de Ice, extrêmement agressif. Et cette Zeri qui vient de terminer ce teamfight BDS. Même s'ils se sont fait un tout petit peu peur sur un certain teamfight, ont dominé cette game mais de la tête et des épaules. Belle guerre de positionnement entre les deux équipes, honnêtement, sur les setups de fight, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Et là, au final, la draft BDS est moins convaincante que celle d'avant contre les adversaires, mais elle est tout de même correcte, bien qu'il n'ait pas choisi le side et que les adversaires se soient bien adaptés. Du dive en veux-tu, en voilà. Et là, ça poule le dragon Zuru qui fait le tour. Et on est probablement du mauvais côté de la jungle pour Shio. Le cycle de la jungle, bien sûr, ça ne s'invente pas.
pour BDS. Ah, ils sont pas synchro les hérétiques. C'est ça la magie. Ils hein. Pas trop envie de fight avec ce rumble qui a pari 7. Et bon, ils vont juste laisser ce dragon, ce qui est terrible. Les BDS, au final, à 14 minutes de jeu, sont pas tant derrière que ça. Bon, il y a des grubs en face, mais il n'y a pas non plus un, ouais, whatever, un TF ou... Ou un Yorick en face, quoi. Ouais, voilà, c'est pas Rumble qui va backdoor la game. Attention, Flakhead qui prend la rafale du Viking le plus énervé. Flash in, on va son tour et on termine le travail. On survit pas avec le triomphe, c'est dommage. Du voli Ori. Bon, faut réussir à déclencher le combo, mais il n'y arrive pas. C'est même eux qui se font attraper ici. Chez O qui colle ici, les BDS sont tous regroupés. On a une TP, ils sont 5, ils y vont en plein dedans. Et c'est un kill de récupérer par Ice. Oh. Ah là, ça va peut-être être un counter engage, hein, ça y va directement. L'ultimate de Rumble est pas très convaincant. Les dégâts, cela dit, de Wunder sont assez bons. Petit ultimate de la Brove, les barres de points de vie sont basses. La re-engage est bonne pour les BDS, il faut donner un reset. Hachéo, c'est compliqué, peut-être va-t-il l'avoir ici. Non mais c'est le full CC, c'est la mêlée générale. Tout le monde meurt de chaque côté, mais c'est pour les BDS. La Karma Div dans un fight qui dure, qui est tout simplement pixel. Karma Viego Div bien solide, certes. Les hérétiques sont supprimés, Ice, félicitations à eux. Et là, Rumble, on l'a vu mettre quelques dégâts et tout durant le dernier fight, mais il va avoir de plus en plus de mal. Ce fight est... Enfin, un petit peu dangereux. Wiru n'est pas là. Hein, il devrait avoir le temps de terminer. Yonko, c'est très très loin. Mais Orianna n'est pas là. Elle arrive, cela dit. Mais c'est déjà trop tard, j'ai l'impression, avec l'intervention d'Adam sur le side. C'est pas totalement gratos pour la team BDS, mais ce sera incontestablement une victoire, puisque Ice n'est pas touché, Nuke non plus. La reset machine de Viego est bien sûr mise en place. Ce fight était globalement un 4v5. C'était free. C'était un peu gratos. C'était chassé ici, boosté par Nuke, et lui aussi rejoindra ses alliés morts dans la fontaine. Ça n'a pas trop de sens. Cette fangole pour Chéo. Il est niveau 14 hein, quand même. Hein. Il n'a pas de flash, il va se faire allumer. Quoique, il va peut-être pouvoir prendre le reset, 14, la folie. Hein, et il le prend avec l'hydro de Stades qui est revenu. Et ulti out. Il a pu l'utiliser deux fois. Ulti out. On a d'ASM et là on peut déchaîner les enfers tout simplement. Le combo shockwave dans la backline. Aucun dégât effectué, aucune pression ressentie. Attention à ne pas aller trop loin malgré tout pour les BDS. Il faut laisser l'Aziri faire le travail. Et voilà, emballé, c'est pesé à grands coups de bouclier. Et le Alistar de Chéo qui signe une finition goûteuse. Pixel tout en douceur avec son Viego. Zéro mort dans la partie. Eh bien, les BDS performants sur ce BO.